Et salut à tous les amis, c'est Mortsite et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de notre guide pour bien débuter sur Ark. Et aujourd'hui les amis, on va s'intéresser aux armes. Aux armes parce que j'ai pris pas mal de niveaux là, j'ai farm un petit peu la bouffe, le cuir et tout. Et du coup j'ai pris, je crois que j'ai pris 6 ou 7 niveaux. Enfin j'ai, là ça fait 4 heures, 4 heures, 5... Ouais, ça fait 5 heures que je suis devant le jeu, je commence un petit peu à saturer. Mais c'est pas grave, je me suis dit, allez, on va refaire encore un épisode. Et puis du coup, ça m'a amené 123 points à débloquer. Alors du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je débloque ou quoi? Et j'ai quand même vraiment envie de débloquer les armes, comme ça on pourra vite aller dans une grotte et ce sera trop bien. Alors, on va débloquer ça. On va débloquer les balles. On va débloquer aussi. Après, on va débloquer la tenue en chitine. J'espère qu'on va avoir assez. Ouais, ça va passer. Il nous reste 18 Engram Points. Dans quoi est-ce qu'on pourrait les mettre? Le simple pistolet est nul. Clairement, hein. Fabricateur costume. Comment vous dire? Pas tout de suite. Enfin, quoique. Non, on va débloquer aussi le shotgun. Comme ça nous permettra de faire le comparatif avec le long net et le shotgun. Non! J'ai oublié de débloquer ça! Oh! Bordel. Attendez. Ah ouais, et puis en plus, je suis tellement loin. Comment dire? Bon, écoutez les amis, je vais aller farmer un petit peu là, et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Heureux les amis. Bon, ah, attendez, je crois, ça doit être par là, donc c'est bon, hein. J'ai passé mon niveau et j'ai débloqué ce qu'il fallait. Donc maintenant, là, on va débloquer la lunette. La lunette, c'est l'amour. Et du coup, on va rentrer. Je sais que j'étais sur. Voilà, j'étais sur le chemin du retour. Bon, il m'a pas fallu longtemps. Hein. J'ai dû buter quelques petits dinosaures, mais ça m'a pas pris spécialement longtemps. Je sais, je suis déshydraté. Ah voilà, on va bien la remplir, de toute façon, parce que là, on va partir à l'aventure. Alors, voyons voir. Armor. Ok, les armures en chitine, on les met là-dedans. Ouais, il va en falloir l'amour, quoi. 20, 30, 42, 42, 57, 57 et 25. Ah, oh, mais c'est trop dur. 60. Ouais, beaucoup. 80 et quelques. 80. Eh ben, pour avoir ça, je pense qu'à mon avis, on va se faire des armes. Et après s'être fait des armes, on va aller se faire une grotte. Et en se faisant cette grotte-là, là, on va récupérer masse chitine et tout ça, et kératine. Et là, ce sera royal. Les amis, je me prépare, je vide mon inventaire et tout ça, et puis c'est parti pour le petit time-lapse. Je vais essayer de me faire en sorte qu'il dure pas trop longtemps pour vous. A tout à l'heure, bisous.
Et re, les amis, bon, voilà, nous après ce petit time-lapse rapide, hein, bien sûr, du coup, on a récupéré un petit peu de métal, 64 pour être précis. J'avais pensé à un truc, rapidement comme ça, je m'étais dit, et pourquoi pas apprivoiser un autre pteranodon. Un qui me permettrait de me transporter et l'autre en fait je le mettrais à me suivre. Et puis bon on verra bien ce que ça va donner, je ferai ça hors caméra. Et puis comme ça au pire des cas par rapport aux deux commentaires que j'ai reçus pour le nom, il y en aura un qui s'appellera Violette et puis l'autre qui s'appellera je ne sais plus le nom. Bon c'est pas grave, je le retrouverai la prochaine fois. Voilà, bon alors on a récupéré un petit peu de métal, on va regarder ce qu'il nous faut à peu près. Alors, pour les balles déjà, dans un premier temps, il nous faut de la gunpowder. Attention, la gunpowder ça se fait là-dedans, dans le Mortar and Pestle, je crois. Gunpowder, effectivement, il nous faut de la shark powder. La shark powder ça se fait avec du flint et de la stone. Et on va prendre le flint, on va prendre la stone. Flint, la stone. On va prendre tout ça. Hop. Zou, allez. Ah tiens, j'avais pas fait gaffe. On peut faire un craft hall. Ok, ça c'est une bonne chose. Et ensuite, il nous faut du charbon. Effectivement, le charbon, c'est. Fallait bien le garder. Je me demandais à quoi il pourrait bien nous servir. Et ben voilà. On a notre réponse. Hop, on va là-dedans, on le fout dedans, comme ça au moins ça prend plus de place dans l'inventaire. Ça, on va le dropper, ça va dispo. Et on va tout crafter. Donc là, il y en a pour un petit moment, je pense, hein. Il y en a pour un moment, donc ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va regarder la suite. Weapons, ammo, donc dès qu'on aura ça, ah oui, il faut des balles. D'accord, on n'aura que 9 balles là. Donc ouais, effectivement, il va nous falloir énormément de métal. Heureux, les amis. Bon, non, je vérifiais combien de temps il nous restait dans l'épisode. Alors, autrement, au niveau des armes. Oh! Ouais. Ouais. Bon, il va nous falloir pas mal de métal. Ce que je vais faire, les amis, ouais, c'est l'épisode de l'ellipse. Ce que je vais faire, c'est que je vais tame un autre pteranodon, sur lequel on ne montera pas, mais par contre, il nous servira un petit peu de sac à dos, quoi. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, bise. Et re, les amis, bon, ça y est, j'ai réussi enfin. Là, mais pourquoi ma touche, elle est buggée? Ah mince, oui, parce que la macro était encore mise. Et celle-là, on va l'appeler Violette. Bon, j'en ai un petit peu chié, mais ça s'est bien passé. Donc là, par contre, on va pas pouvoir lui monter dessus. On va pas pouvoir lui monter dessus. Mais au moins, elle va nous servir pour transporter les trucs. En plus, j'ai. Enfin, c'est une level, je sais plus. Level 16. Donc, level 16, ça va être pas trop mal au niveau du poids. Je pense qu'elle va être assez forte. Donc du coup ça va être sympa. Faudrait quand même que je lui fasse une selle à l'avenir, mais pour le moment on n'est pas obligé. Made boosted. Faudrait que je vérifie ce que ça veut dire. Ah c'est un mâle! C'est un mâle et ça c'est une femelle. Attends, on me dit pas qu'ils peuvent faire des petits. Made boosted. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vérifierai et je vous redirai. Parce que là ça pourrait être sympa. Les amis, je vous dis, je repars miner et je vous dis à tout à l'heure. Yeah.
Je viens de rentrer. Et là-bas, en volant tout de suite, là, en arrivant, il y a l'autre là-haut qui se traîne, là, un petit peu. Je vais aller mettre ça vite fait à fondre. Et puis, je vais aller à côté de l'enclos. Là, c'est la merdasse. C'est la merdasse. Alors, bougez pas. Hop. On va prendre l'arc en main. C'est d'y aller doucement. Bah en fait on va pas y aller doucement, voilà le problème, il est là. On va le tuer, l'enculé. Casse-toi. Yes! Ok, il est inconscient. On va aller lui mettre de la bouffe dedans. Bouddha, t'as de la bouffe? Toi, je sens que t'as de la bouffe sur toi. Oh oui, t'as de la bouffe. Hop. Allez, zou! Bon, alors, on va lui mettre ça dans l'inventaire. Voilà. On lui met ça dans l'inventaire et puis bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour l'épisode. C'était un épisode un petit peu court aujourd'hui, pas spécialement intéressant, je vous l'accorde. Mais dans l'épisode prochain, on verra la fabrication et l'utilisation des armes. Et dans l'épisode d'après, je pense qu'on partira à la recherche d'une grotte. Donc voilà les amis. Si vous avez aimé l'épisode, même si vous ne l'avez pas aimé, s'il vous plaît, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt.